donner un statement. Donc je vais commencer tout de suite. Nous avons rencontré une situation exceptionnelle hier soir quand un nombre inhabituellement élevé de nos pilotes se sont rendus indisponibles pour effectuer les vols pour lesquels ils étaient programmés. J'ai immédiatement déclenché un comité de crise pour minimiser l'impact sur nos passagers. Notre priorité étant de les acheminer à leur destination finale dans les délais les meilleurs et de les prendre en charge pendant le retard. Je peux sans risque de me tromper affirmer que cette situation est absolument anormale. J'ai d'ailleurs initié une enquête pour situer les responsabilités et de prendre toutes les mesures qui s'imposent, incluant des sanctions si besoin est. Les premiers éléments sont troublants et sans m'indiquer une action concertée. J'ai demandé une réunion d'urgence du conseil d'administration dans ce sens. Ce qui s'est passé est grave, même très grave. Un petit groupe d'employés tient en otage nos clients, notre compagnie d'aviation nationale et notre pays. Ils ternissent notre réputation que nous avons patiemment construite pendant les 50 dernières années. Les conséquences financières sont importantes à un moment où la compagnie s'est engagée dans un plan d'investissement majeur. En tant que directeur général, je ne peux pas accepter cette situation. Les employés ne l'acceptent pas, nos clients et le pays non plus. Les pilotes d'Air Mauritius sont au nombre de 200. Ils sont des professionnels, nous reconnaissons leur valeur et leur contribution. Nous avons parfois des désaccords, soit on discute, soit on accepte de faire appel aux instances appropriées pour régler nos différends. Mais nous n'accepterons jamais le chantage. Je répète bien, jamais. Je fais un appel à nos collègues pilotes. Ressaisissez-vous. Il y va de l'avenir de notre pays et de notre compagnie nationale. Je tiens à remercier les pilotes, tous les pilotes qui ont contribué, ont été solidaires de la compagnie dans ces moments difficiles. Je tiens aussi à remercier l'ensemble du personnel pour le travail remarquable accompli hier soir, afin de minimiser l'impact sur nos passagers. Merci. Comme vous pouvez déduire, le temps est très critique. Je vais quand même prendre quelques questions, mais seulement quelques questions. Le jour, ce moment précis, comment se présente la situation ? Est-ce qu'on va se normaliser ? La première des choses, ce qu'on a fait, comme je l'ai souligné, la priorité, c'est nos clients, les passagers. Donc, on s'occupe d'eux. La situation est stabilisé, mais on a toujours du pain sur la planche. Donc, nos équipes s'attellent à aider ces passagers pour les ramener sains et saufs chez eux. Est-ce qu'au niveau de la direction, vous avez constaté un problème au niveau des cuts et la Roumanie ? Vous savez, comme je viens de le mentionner également, les différends, ça existe, mais il y a des procédures et des process en interne ou en externe pour les résoudre. Il y a eu des conditions pour les nouveaux recrues. L'impact est nul sur ceux qui sont pilotes ou qui sont employés aujourd'hui. Et ça, je peux vous l'affirmer. Alors, il serait trop tôt et abusif de vous donner un chiffre jusqu'alors, mais ce que je peux vous indiquer, il y aura des conséquences financières importantes. Et ce dont on parle, c'est l'économie du pays et non pas de Air Mauritius seulement. Vous n'avez pas d'autres questions ? J'ai une question pour Edouard et Céa sur le site internet. Je prendrai les questions, s'il vous plaît. Adressez-les-moi. Non, je peux poser la question. C'est moi qui vous a invité. Je veux vous répondre
personnellement. Dites-moi. Les employés disent que Ce que vous voulez dire, que cette réaction des pilotes serait liée à M. Sitaramanu. Est-ce que vous pourriez préciser pourquoi, quelle est la relation? Les employés disent que cette situation... Quels employés, s'il vous plaît? Les employés de Junga. Je ne pense pas que vous ayez les bonnes informations. Comme je viens de vous l'indiquer, tous les employés sont méprisés par cette situation. Ils ne comprennent pas cette situation. On ne peut pas bloquer la compagnie nationale. On ne peut pas bloquer l'économie d'un pays pour un différent. Et un différent, comme je viens d'expliquer, il y a une procédure en interne et en externe pour le régler. On n'est pas au Moyen-Âge. Merci beaucoup. Merci.